ou la grande robe. Cette tenue est portée par les citadines juives, généralement offerte par le père de la future mariée, pour être portée lors de son mariage. Elle partage des similitudes avec le caftan traditionnel marocain, notamment la broderie au fil d'or. Le tableau de Richter met en valeur la beauté et l'élégance de la femme marocaine, avec des détails minutieux dans la représentation de sa tenue traditionnelle, qui se distingue par ses couleurs vibrantes, ses motifs délicats et sa richesse ornementale, sans oublier ses bijoux qui ajoutent une touche de luxe et de raffinement à l'ensemble. L'œuvre de Richter témoigne de l'intérêt des artistes européens pour le Maroc à cette époque. Elle met en lumière la fascination pour la culture marocaine, en capturant la beauté de ses traditions vestimentaires, et en soulignant la créativité et l'habileté des artisans locaux. La belle marocaine de Richter est une représentation artistique qui contribue à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel de notre cher pays. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et à la prochaine.